La flottille de la Liberté a quitté la Crète ce vendredi direction la bande de Gaza. Quelques 70 militants pro-palestiniens issus d'une vingtaine de pays participent à cette opération qui vise à briser le blocus imposé depuis 9 ans par Israël au petit territoire palestinien. Mais pour ce journaliste israélien, tout porte à croire que la flottille va être refoulée comme les précédentes. Le gouvernement israélien a décidé de ne pas laisser naviguer les bateaux jusqu'à Gaza, dit-il. La flottille pourrait être perçue en Israël comme une aide, un soutien au régime du Hamas. Les gens en Israël n'ont pas de problème avec le peuple de Gaza, mais ils ont des problèmes avec le Hamas. Il y a 5 ans, une flottille similaire avait été interceptée par l'armée israélienne, mais de violents affrontements avaient éclaté sur l'un des navires, le Mavi Marmara, causant la mort de 10 activistes turcs.